Dag dames en heren, welkom op Elias jaarlijkse stakeholder evenement. We hebben vanavond een heel diverse groep van mensen bijeengebracht, maar we hebben één ding gemeen, dat is onze passie voor de energietoekomst van dit land. La transition énergétique, c'est plein d'opportunités en termes d'innovation, en termes d'emploi, en termes de formation, mais aussi en termes d'industrie. Elk bedrijf dat niet vertrekt, omdat we rechtstreekse toegang kunnen creëren voor die bedrijven als het gaat over de Prins Elisabethzone, dat is een job gewonnen, dat is welvaart gewonnen, dat is betaalbare energierekeningen. De energietransitie is eigenlijk, net zoals het ruimtevaartprogramma, een transformatief programma dat heel langdurige positieve effecten op de welvaart van Europa zal hebben en op de positie van Europa in de wereld. En mijn vraag aan de politici is dan ook, wie spiegelt zich aan president Kennedy? Ik wil met veel spelen, maar niet met onze energiezekerheid. C'est le fait qu'on a besoin d'une énergie pilotable pour avoir un parachute. Nous ne rentrerons pas dans un gouvernement où il n'y a pas de nouveaux projets nucléaires. De echte discussie gaat over de kostprijs uiteraard van nucléaire. Il faut accélérer, il faut construire, il faut avancer sur le renouvelable. Uitdaging is, hoe gaan we in dit land meer elektriciteit produceren dan dat we ooit tevoren hebben gedaan? Il faut tout faire. C'est et du nucléaire, et du renouvelable, et de la flexibilité, et diminuer, et faire des interconnexions. Ik denk, de belangrijkste boodschap die ik hier toch vooral onthouden heb, en waar ik eigenlijk volmondig mee eens ben, is, we moeten een lange termijn strategie hebben. L'enjeu de tous les décideurs doit être exclusivement orienté vers la construction d'un mix électrique qui soit flexible, diversifié, mais qui surtout serve deux grands objectifs, à savoir l'abordabilité des prix et la sécurité d'approvisionnement. Qui pense que tout ça, au niveau des infrastructures, doit être plus simple, devrait être simplifié? On a pas un... C'est vraiment unique. On a quand même un rouge là-bas. Tout le monde va vous dire qu'il faut faire Ventilus et la boucle du Hainaut. Tout le monde va vous expliquer qu'il veut de la simplification. Par contre, sur le terrain, il y a des élus de toutes les formations politiques qui poussent en disant « Vous ne devez surtout pas avancer sur ces projets. Nous défendrons la boucle du Hainaut parce qu'elle est indispensable pour l'approvisionnement énergétique du pays et de l'interconnexion européenne. » 2040 is morgen. En om goed voorbereid te zijn, moeten wij bouwen, bouwen, bouwen.